Ngassali, Mbinza et tout son village. Normalement, il devait être un grand nombre, puisqu'il y a ces nombres ici, mais vu les mesures sécuritaires à la zone stratégique auquel nous sommes, alors ça n'a pas vraiment fini. On a juste pas de vous écouter. Les amis veulent vous écouter. Ce sont des jeunes qui étaient là, ils ont mouillé le maillot pour vous, et ensemble avec vous, nous avons gagné. Alors, leur seul souci, c'est de préserver cette victoire, qu'on ne puisse pas nous voler cette victoire. Tout sauf ça. C'est ça, tout sauf ça. Ils ne jouent que sur ça. Ce qu'ils ont amené ici, c'est ça, le message clé. En 2006, on connaît tous l'histoire. En 2011, on connaît tous l'histoire, mais ça doit arrêter. Maintenant, là, ça doit arrêter. On ne va plus nous mentir et nous voler cette victoire-là. Alors, ils sont très, très, très déterminés. Il y a ceux-là même qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire là où ils étaient, partout. Mais là, ils sont en face de vous. Ils vont commencer et va aussi renchérir sur ce que je viens de dire. Mais sinon, ils sont prêts à vous écouter et ramener dans leur base respective ce que le message que vous allez lancer. Merci, Président. Allez, oui. Alors, je ne sais pas former les murs. Excellence, Monsieur le Président. Les jeunes qui sont là, le message qui vient d'être passé par l'un de nos amis. Moi aussi, Amouba, Master Amouba, Chile Poison. Chers téléspectateurs, chers Congolais, vous permettez que je parle en français, hein, parce que ça énerve un peu. Nous n'allons pas accepter de tels propos. Nous n'allons pas accepter cela. Je ne sais pas qui a pu penser à organiser ce message pour dire que, donc, éveiller l'attention du peuple congolais, disant que si tu es marié, une femme mariée avec un homme Moulouba, ou un homme marié avec une femme Moulouba, ou si j'ai un ami Moulouba, ou si j'ai un pasteur Moulouba, que je dois me réveiller pour que je puisse lui empoisonner. Mais ça, c'est bizarre. Ce sont des propos tribalistiques. Ce sont des propos tribales que nous n'allons pas accepter cela. Chers amis, avant que je termine ma réflexion, ainsi mon petit vidéo que j'ai voulu faire cette réflexion cet après-midi, sous ces temps que vous me suivez. Nous n'allons pas tolérer de tels propos. Rappelez-vous, et je l'ai dit dans mes émissions précédentes, dans mes vidéos précédentes, que nous n'allons pas accepter que les ennemis, entre guillemets les occupants, puissent jouer avec nous les Congolais. Nous devons être éveillés. Je rappelle encore et je l'ai redit. Nous avons tous voté, les Congolais ont voté, président Félix Tshisekedi. Je le répète, monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il n'est pas président élu de Balouba. Félix Tshilombo, il porte le nom de Balouba, mais il n'est pas élu président de Balouba. Alors, tu dois faire très attention, toi qui es Moutabandundu, toi qui es Mungala, toi qui es Mouyaka, toi qui es Mouzombo, toi qui es qui que ce soit de notre porte-côte province du Kasaï, tu puisses avoir cette mentalité que Félix serait seulement, ou il serait privilégié, les Balouba. Là, nous n'allons pas accepter cela. Président Félix Tshisekedi est élu comme étant président de tous les Congolais. Il a un morceau dur. Parce qu'il doit d'abord gérer FCC, il doit gérer des institutions, il doit savoir comment travailler avec FCC, il doit savoir comment travailler, manager le Sénat, comment travailler, manager l'Assemblée nationale, les députés, les bourgmestres. C'est un morceau qui n'est pas facile. Alors, toi qui aurais injecté de tels messages, nous allons condamner cela jusqu'à notre dernière énergie. Nous n'allons pas accepter que nous puissions être distraits, nous les Congolais, par qui que ce soit, revêtant des t-shirts de Lamouka soi-disant, ou des t-shirts de l'IDPS dans une province donnée pour tuer. Il peut y avoir des gens qui se sont masqués portant les t-shirts de l'IDPS, mais qui ne sont pas des membres de l'IDPS, saccageant ou massacrant les gens de Bandundu. Ou soit les gens portant les t-shirts de Lamouka, massacrant, tuant, insultant les gens de Kasaï. Nous n'allons pas accepter cela. Chers amis, chers compatriotes, partout où vous allez me suivre, nous sommes des leaders de masse et nous n'allons pas accepter que le Congo soit englouti par le tribalisme, soit divisé par le tribalisme. Nous n'allons pas et jamais accepter cela.
Sinon, les ennemis vont profiter. Parce qu'ils attendent que lorsque nous avons des conflits, ils peuvent même jouer des jeux. Ils peuvent jouer des jeux. Ils portent des t-shirts de la Mouka, mais ce sont des occupants, ce sont des étrangers, massacrant les Baloubas sans les savoir. Alors si nos amis des Baloubas, nos amis des Bandounou, nos amis des Kassai, ou quelles que soient les provinces, si vous êtes avec quelqu'un qui est en train de dénigrer une province donnée, il faut les mateler, il faut les gronder. Ne permet pas qu'ils même entrent dans votre ligue. Parce que c'est un tueur, c'est un venin qui cherche à diviser le Congo. Le Congo sera uni lorsque nous allons tous parler un même langage. Lorsque nous serons tous parlant un même langage, tenant une même pensée, un même sentiment. Nous n'allons plus accepter des propos comme ça quand quelqu'un écrit « Peuple congolais Telema ». Nous n'allons pas accepter quelqu'un qui écrit « Balouba Bateki Mboka ». Ozana Mobali à Moulouba, Moïse Moulouba, Pasteur à Moulouba, Master Moulouba, Tchela et Poison. Non, 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 non. Ça, c'est quel esprit, chers compatriotes? Ça, c'est quel esprit? Ça, c'est quel esprit? Comme on dit en anglais, regardless of who Tshisekedi is, quel que soit le rang ou la province que notre président vienne, n'allons pas nous laisser être banal pour permettre de tels propos dans nos téléphones, dans nos réseaux sociaux. N'est-ce pas? J'ai pleuré, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous les Congolais? Nous avons voulu qu'un Congolais soit là. Même si, vrai ou pas, qu'il a signé des accords avec FCC ou avec Joseph Kabila, cela ne donne pas la licence de nous entretuer entre nous. Cela ne donne pas l'autorisation de dire des bêtises. Cela ne donne pas l'autorisation d'avoir la haine, la division ethnique. Papa, je vous dis, ça va nous rendre au néant et au silence. Et le changement que nous voulons voir, nous n'allons pas le voir même avant 2023. Nous n'allons pas donner la chance à ce président que nous avons, vous le peuple, vous avez voté, qu'on dirigeait très bien. Pour terminer, là je lance le message directement au nouveau président. Je suis convaincu, je pense, à mon humble avis, vous avez aussi un devoir, cher président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi. Si les gens de communication tout autour de vous, les gens de vos conseillers pourraient suivre, ou les membres de l'UDPS pourraient suivre ces vidéos ici, amener ce message. J'ose croire que vous aurez aussi un gros rôle à jouer dans des médias, toujours mateler, annoncer, proclamer le message de l'unité entre nous les Congolais. Le Congo n'appartient pas au Balouba, le Congo n'appartient pas au Bandundu, le Congo n'appartient pas aux Équateurs, le Congo n'appartient pas au Bangala, nous sommes tous un. Alors, le président, vous aurez toujours à lancer ces messages d'unité. Vous l'avez dit pendant votre campagne. Maintenant, vous êtes président. Pendant que vous aurez so-in, vous allez être investi comme étant président. Trois de ces postes-là, nous vous conjurons. Moi, Boula, je vous conjure à insister sur ça. Sinon, ce n'est pas, on sait quand même très bien que ce n'est pas tout Louba qui est UDPS. Hein? Il y a des Louba qui haïssent même, qui n'aiment pas l'UDPS. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont contre le président Félix. Peut-être le système. Ce n'est pas tous les Baloubas qui sont dans l'UDPS. Et ce n'est pas aussi tous les Baloubas qui sont UDPSiens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, le président, je vous conjurerai, s'il vous plaît, à insister sur ce message. À insister même dans les bases, toutes les bases de l'UDPS. Vous ne pouvez pas aussi cultiver la haine vis-à-vis d'autres provinces. Parce que vous-même, vous n'allez pas rien faire. Il n'y a aucune province seule peut développer le pays. Vous ne pouvez pas laisser l'Équateur développer la RDC, non, Bakokate, ou Kasai, ou Katanga, ou Est, Bukavu, Bakongo, Congo central. Il n'y a aucune province alone, seule, peut développer le pays. Nous avons besoin de la main dans la main. Comme ça, ça peut nous aider à bien apporter le changement. À bon attendeur, salut. Je répète encore, nous n'allons pas accepter des propos comme ça, que si tu es un ami Moulouba, ou si tu es un mari Moulouba, ou si tu es un pasteur Moulouba, ou tu es poison. Pourquoi empoisonner? Ça c'est quel esprit? C'est l'esprit des morts, c'est l'esprit des divisions, nous sommes contre cela. Ok? Il y a des Balouba qui se sont mariés, je l'ai dit encore dans des épisodes passés, avec des Balouba, il y a des coalitions. Moi-même je me suis marié avec une autre, et la femme, ma femme est de l'autre province. J'ai des amis qui sont de d'autres provinces. J'ai étudié avec des amis qui sont de d'autres provinces. Nous allons faire une force. Non au tribalisme, non au tribalisme. Congolais, nous avons besoin pour le moment. Laissons d'abord M. Prélix
être établi dans le poste du président, toute suggestion sera la bienvenue. Je crois qu'il y aura toujours, une bonne équipe qui peut travailler avec lui ensemble pour qu'il puisse comprendre que la RDC est derrière lui pour le soutenir. Pour terminer, le président de l'Ouganda, le président français, le président, il y a tant d'autres présidents, mais le président de l'Afrique, Cyril Ramaphosa, a envoyé des messages de félicitations au président élu, M. Félix Tshisekedi, et beaucoup tant d'autres présidents. Ils félicitent un peu la passation des pouvoirs, tout ça, et ils encouragent aussi le M. Félix de pouvoir faire son travail dans l'amiable. Il a toujours besoin de la souveraineté, l'unité nationale. C'est ce que nous allons toujours parler de cela, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si d'autres présidents, n'est-ce pas, encouragent, pourquoi pas nous, les Congolais? Soyons d'abord fiers de celui qui est là, et nous savons que c'est un humain. Et vous savez que c'est une grande responsabilité. Il a d'abord arrangé, fixé l'Assemblée nationale, le Sénat, organisé son bureau. C'est pas facile. Et maintenant, entrer dans différents secteurs, culture, santé, éducation, sécurité, finance. Donc, papa Batazan Ngambou. Et Ngambou, c'est un privilège que tu sois présent, monsieur le Félix, mais c'est aussi une grande responsabilité. Alors, nous, Congolais, nous avons besoin de le soutenir. Mettons nos indifférences à part. C'est vrai que, bon, c'est vrai. La Mouka, vous pouvez aussi créer votre circuit de l'opposition, combattre encore ce qui peut ne pas être comme satisfaisant, comme gouvernance. Vous êtes libre. Et Félix aussi doit s'attendre à cela. La Mouka sera là comme étant une partie opposante, n'est-ce pas? Comme un parti plutôt politique opposant, n'est-ce pas? Pour le combattre, c'est normal. Macron a des gens qui s'opposent à lui. Donald Trump a des gens qui s'opposent à lui. Notre président ici, Cyril Ramaphosa, il a des partis IFCC, IFF et puis DA. Ils s'opposent à lui. Ils ne sont pas toujours contents de ce qu'il fait. Mais ce qui est vrai, aussi longtemps que vous allez répondre aux besoins du changement de la population, ça sera une bonne chose. OK? Le message est passé, non? Vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous êtes la bienvenue à pouvoir m'écrire Facebook Joseph Bolois. Vous pouvez aussi m'appeler, SMS, vos préoccupations, vos suggestions, d'autres sujets que vous voulez que nous puissions mettre dans les plateformes pour que le monde entier nous suive. Vous êtes la bienvenue. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp pour participer à notre émission. Et le micro de Bolois sera toujours là disponible. Merci, Maman Francine Guembe. Merci à vous. Et nous allons toujours vous signaler l'évolution de la politique congolaise, comment ça se passe. Non au tribalisme et non aux tribalistes. Abonnez-vous massivement sur Congo Dialogue. Merci. Bye.